Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue sur l'antenne. Je m'appelle Alexandre Savanelli. Je suis musicien et acteur de formation. Jusqu'à récemment, j'avais une intense carrière d'acteur ici en Belgique, en France et en Allemagne. Depuis quelques mois, j'ai commencé à travailler avec mes collègues de l'équipe de communication de la communauté SkyWorld et nous faisons notre mieux pour populariser cette technologie ici en Belgique. Je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, c'est la première fois que nous utilisons la nouvelle application du cabinet pour notre webinaire et qu'il avait quelques difficultés techniques. Je tiens à m'excuser par avance s'il y a des divergences techniques. Je voudrais commencer notre webinaire d'aujourd'hui par d'habitude. Pas comme d'habitude avec une présentation de Unisky String Technology, mais avec une grande nouvelle pour notre entreprise. Nous aimions souvent parler à nos collègues que parfois il est mieux de voir qu'entendre 100 fois, comme le dit le proverbe russe. Oui, ces dernières semaines, notre entreprise a été régulièrement diffusée à la télévision du monde entier. Cela présume que la technologie de transport U-Sky est demandée dans le monde entier, qu'elle intéresse les gens, les entreprises et les pays. En fait, cette technologie résout le principal problème de notre époque, celui de la circulation dense, et surtout la solution du Sky. Transports sont beaucoup moins chers, plus sûrs et plus économiques à mettre en œuvre que les solutions de transport traditionnelles. Ainsi, dans ce pot, j'ai essayé de rassembler quelques vidéos les diversées d'agences de presse du monde entier comme CBS, NBC, Fox, ABC News, NTV Deutschland, France 2, etc. Le rédacteur et le chef d'image matrice de Tech, Drew Rossin, a déclaré à Sky News Australia que le système est déjà en place et fonctionne dans le cadre d'un test aux Émirats Arabes Unis, au Moyen-Orient. Mesdames et messieurs, regardez bien l'écran. Dans les quelques minutes, je traduirai brièvement le sujet et nous poursuivrons notre webinaire.
Voilà. Le rédacteur en chef d'image, Jurosen, comme j'ai déjà dit, déclarait à Sky News Australia que le système est déjà en place en fonction des cadres d'un test des Émirats arabes unis au Moyen-Orient. Une nouvelle forme de transport pourrait contribuer à décongestionner le vide et utiliser la nacelle high-tech suspendue à des câbles. La société U-Sky de Biélorussie le teste actuellement. Il déclare que le pod high-tech ressemble à l'intérieur d'un siège de classe d'affaires. Elles peuvent se déplacer jusqu'à 150 km par heure. Et contrairement aux téléphériques traditionnels, il n'y a pas qu'une seule qui se déplace à faible vitesse. Il est possible d'avoir plusieurs machines. Il y a 6 ans, en juillet 2015, la construction de la plus importante des Unity Street Technology a commencé. Voici Ecotechnopark à Marina Guigorka, à Biélorussie. Auparavant, c'est un seul réservoir entièrement rempli de carburant diesel. Maintenant, non seulement d'un centre innovant s'est situé à la place des arbres et la buisson, mais aussi la puce de jardin, les alliés, les bosquets. Comme vous pouvez voir, le mot prononcé par le fondateur, le concepteur général de Unitsky String Technology, Monsieur Anatoly Unitsky, pendant la construction, a été entièrement confirmé. Souvenez-nous de ces mots. Notre projet s'appelle Ecotechnopark et Eco le passe le premier renom. C'est la restauration de l'environnement, le retour de la ville, au meilleur sol des jardins améliorés qui nous procureront de nourriture propre et les routes aériennes seront sûres. Elles ne souilleront pas les sols ou les jardins. Elles ne tueront aucun objet vivant parce que volant au-dessus du sol et entiers par la surface à laquelle nous vivons. Alors, après tout, c'est quoi les 6 ans dépassés? Bien sûr que vous pouvez souvenir les promesses de non fondées en certains amis de notre projet qui le soucient réellement qu'il a leur propre bien-être. Je voudrais que les choses allaient passer plus vite, mais le considérant la grandeur, les tâches et le résultat obtenu, ce peut tant dans le processus de mise en œuvre en projet mondial comme le futur transport. Nous, le système RSV, disons avec confiance que cela fait 6 ans et félicitons et nous avec une date importante. Le 18 septembre 2021, la 4e conférence scientifique et technique internationale, l'industrialisation sans fusée dans l'espace lointain, problème, idée, le projet, réunira les scientifiques et les chercheurs de domaines d'ingénierie, d'école, de biologie, de social, d'économie, la politique dans le développement contribuant au développement actif d'espace lointain. Elle aura lieu à Marina Gorka, c'est 60 km de Minsk, à Biélorussie, sur le territoire de Ecotechnopark. Les sources officielles du programme ECOMIR, dont la mission est de résoudre les problèmes environnementaux, sociaux, démographiques, humanitaires, autres problèmes globaux de l'humanité, de transférer dans l'espace des parties d'industrie terrestre présentant les risques pour l'environnement, ont publié des informations précisées sur la date au lieu de 4e conférence scientifique ou technique internationale. Les organisateurs sont Astro Engineering Technologies and String Technologies, partenaires et sont le scientifique, l'Université d'État des Transports de Biélorussie. L'auteur de ce projet, Monsieur Anatoly Unitsky, présentera des informations sur les technologies requises pour une solution complexe des problèmes écologiques de notre planète, survie, de développement progressif de l'humanité. Des représentants de Biélorussie, de Ukraine, de Russie, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, du Canada, des Émirats arabes unis, des Émirats saoudites, etc., participeront à cet événement.
Dans les médias de Moyen-Orient, notre projet semble être de sujet numéro un. Le Gulf News a publié un article de Angel Tesorero, journaliste principal de la populaire agence de presse, et intitulé « Sharjah veut être la première ville à introduire un module aérien en grande vitesse » qui traite du développement d'un système de transport des passagers et de fret en chaîne dans les Émirats Unis. Dans cette autre interview accordée au Gulf News, le directeur des parcs de recherche et technologie de Sharjah, M. Hussein Al-Mahmoudi, a déclaré « Nous espérons de commercialiser la technologie en faire des Skypods d'un des plus grands succès de la région. La société de transport U-Sky teste actuellement les différents trains des passagers et les marchandises. » Il ajoutait qu'il existe plusieurs options d'emplacement pour développer un nouveau type de système de transport surélevé dans le cadre de plan global visant de transformer Sharjah d'une ville durable et futuriste. Nous sommes tous conscients des problèmes liés à la congestion et la mobilité. Nous pensons que le projet U-Sky contribuera à la stratégie et la mobilité dans la infrastructure de Sharjah, d'ensemble des Émirats Arabes Unis, car il nécessite moins de terrain, mais il est plus efficace. Les systèmes de transport de Community SkyVault seront de transport réalisés au complexe de transport, l'infrastructure. L'industrie minière sera en mesure de développer le gisement le plus difficile. La technologie de Community SkyVault permettra de construire la voie n'importe quelle longueur et degré de complexité, même les voies transatlantiques. Le prix, par exemple, des voies transatlantiques avec notre technologie sera comparable au coût des tunnels sur la Manche. Le 6 juin, le journaliste de publication anglophone de National, M. Andy Scott, pour la deuxième fois visité le centre expérimental de Community SkyVault à Sharjah, elle préparait le matériel sur le développement de transport à grande vitesse dans les Émirats, basé des résultats de la visite. Il a dit en particulier, le complexe communal SkyVault a suscité beaucoup d'intérêt dans le monde entier, mais surtout aux Émirats Arabes Unis, où opérant certains des principaux développeurs. Le système de transport alternatif offre la sécurité, le confort et abordabilité. Le premier projet commercial sera disponible dans les Émirats en septembre 2023. La construction devant commencer très bientôt. Le système surélevé a été conçu en Minsk par Anatoly Yunitsky, un scientifique, un membre de la Fédération russe de cosmonautique. Une version cargo sera capable de livrer les conteneurs de 12 mètres à grande vitesse qui permettent de retirer poids des réseaux à câbles assis suspendus serviront en centre résidentiel ou de bureaux reliés par les fils d'acier à haute résistance. Les cabines se déplaçaient en manière indépendante. Plutôt s'appuyer le système poulier conventionnel téléphérique qui limite la vitesse à environ 15 km par heure. Selon la société, cette technologie permet de réaliser des déplacements interurbains à grande vitesse pour une fraction de coût des autres systèmes de transport réguliers, soit moins de $200 par mètre. La société dispose de 600 ingénieurs qui exploitent des 6 site d'essai en Biélorussie à Ecotechnopark et Marina Gorka et 5 autres pistes de 800 mètres sont en service. Une piste d'essai plus longue à Sharjah tendra sur 2,4 km avec 8 structures de support et un assis d'espace en des structures de béton servant d'ancrage à chaque extrémité. Le coût de la construction dépend principalement de la parcelle de terrain et le trafic potentiel de passagers sur le réseau terminé. Andy Scott a déclaré aussi
qui est en ligne des passagers, sera probablement construite avec un service de fret, cela nous donne l'avantage pour concurrencer des autres systèmes de transport, car il sera plus viable financièrement. Les Émirats arabes unis sont notre base, c'est le pays plus promoteur de notre technologie et nous avons beaucoup de soutien en charge. Il ne s'agit pas seulement d'un système de transport, mais d'une solution écologique, un monde déjà encombré par le trafic. L'empreinte carbone des nacelles est également inférieure à celle des voyages ferroviaires ordinaires. Les batteries électriques de secours étaient partiellement alimentées par de l'énergie renouvelable. Des études de faisabilité sur le coût des transports des marchandises longues d'un réseau a été estimé en 1 dollar par 100 tonnes chaque kilomètre parcouru. Également, le 20 avril, le chef de région et directeur général de PAC Recherche et Technologie de Sharjah, M. Hussein Mohamed Al-Mahmoudi, a organisé le premier webinaire international au cours duquel il annonçait la technologie de transport de cordes de Unitsky. Il a dit en particulier « Voici quelques exemples de technologies brillantes que nous développons ici à Sharjah. Nous sommes très fiers d'avoir le plus grand centre d'innovation en matière de transport et logistique au monde. Nous sommes chargés de développeurs à technologies de nouvelle génération qui seront promus dans la région et feront partie intégrante de la solution de mobilité de Moyen-Orient. Nous sommes également fiers d'avoir réalisé un investissement important de développement technologique. Nous pensons que le Moyen-Orient a absolument besoin de développeurs ce type de technologie et nous travaillons main dans la main avec le secteur privé, les entrepreneurs et l'université. Nous sommes également très fiers du parc de recherche et de technologie de Sharjah qui accueille dans le plus grand laboratoire d'innovation des Émirats. Grâce à notre partenaire de Unitsky String Technology, nous avons construit l'Eco House qui est nos principaux partenaires et nous travaillons avec eux dans les quatre domaines principaux, la commercialisation, le développement de la science, l'emploi d'échange de laboratoires. Nous pensons que pour avoir une innovation, nous devons développer le capital humain et développer un lien de force avec le monde universitaire et l'infrastructure académique. Tous les avantages se répercutent sur l'environnement. Avec un moyen de 30% d'énergie gaspillée dans le bâtiment commercial, la mise en œuvre d'informations dans les bâtiments permet d'optimiser l'utilisation d'énergie, d'éliminer gaspillage, de réduire l'émission, de réaliser des économies sur les coûts opérationnels de futures technologies de transport, comme par exemple Unitsky String Technology. Et souvent, M. Alexei Savin, le directeur de SARL SV Plant, une société qui fabrique des équipements pour Unitsky String Technology, a déclaré dans l'interview « Nous essayons d'équiper la production avec équipements de la pointe. Nous suivons la nouveauté mondiale et visitons l'exposition. Bien que certains pays ayant été fermés et que l'exposition a été annulé en raison des pandémies, nous essayons à suivre en ligne et hors ligne des progrès de la technologie et l'équipement des traitements. Nous avons des compétences pour les soudages, pour les découpes de métaux, des coupes de laser, des travaux de métaux, la fabrication des pièces en plastique, d'un traitement électrique, des batteries, l'ordinateur onduleur des moulages et produits polymères. Il y a 6 centres et usinages pour la production. Il n'y a pas d'analogue à Biélorussie. En outre, nous avons 3 imprimantes 3D sur lesquelles nous fabriquons partiellement les pièces pour l'intérieur et l'extérieur du transport.
Le créateur de projets étonnamment efficaces est l'inventeur et ingénieur M. Anatoly Yunitsky. Il a lui fallu 40 ans de travail acharné pour créer cette technologie pour notre communauté. Au cours des 3 dernières années, la communauté SkyWorld a bénéficié de cette technologie. Il a construit le tronçon d'essai des entières itinéraires urbains et de frais. C'est parce que M. Yunitsky s'est tourné vers Moyen-Orient, où la géographie de notre production est attendue. Auparavant, nous concevions le bloc et composants séparément. Quand nous assemblions, ils ne correspondent l'un à l'autre au terme de forme et au détail. Mais lorsque nous sommes passés à la plateforme Experience 3D, ces problèmes ont été résolus, car il est devenu possible de suivre le cycle de vie complet de la technologie, des esquisses, des dessins de travail à la production. Actuellement, la plateforme Experience 3D est le seul outil qui permet la telle approche. Le système de transport de Yunitsky Technology prévoit les mesures suivant pour prévenir et éliminer l'accident. Par exemple, l'utilisation des matériaux non combustibles dans le module des passagers, la disponibilité d'une ventilation d'urgence, de sortie de secours, un élément important de la sécurité des systèmes Yunitsky String Technology est constitué par les solutions de l'ingénierie qui contribuent à augmenter la sécurité de transport et mouvement. Ces solutions sont notamment les suivantes. Le système anti-déraillement qui compose les trois sous-systèmes, les duplicants et les, mutuellement. Ces duplications permettent de réduire le risque d'accident si, par exemple, un des sous-systèmes ne devient inopérant. Le système de freinage avec circuit primaire, circuit de secours. Circuit de secours fournir au moins de 50% de la force de freinage maximum du système de freinage de service. Alors, comment fonctionne le système de transport à corps de notre communauté? Regardons quelques exemples. Les véhicules sont faits de polycarbonate très léger, équipés par un moteur électrique qui est ultra léger aussi. Il utilise la panneau solaire, l'énergie éolienne, mais aussi l'électricité ordinaire pour le fonctionner. Le mouvement est facilité par un fait d'une simple corde tendue, même sur le terrain très élevé et accidenté. On peut comparer cela à corde d'une guitare qui est bien fixée. Le transport à corde est un système révolutionnaire qui peut transporter un grand nombre de personnes ainsi qu'une cargaison d'une manière super sûre et efficace. C'est un transport très intéressant pour la logistique locale, mais aussi internationale. Je voudrais confirmer encore que cette technologie peut être mise en œuvre avec beaucoup de succès, aussi bien dans les régions haute montagne comme Suisse, Autriche, sud de la France, par exemple, mais aussi le plain comme Belgique, Hollande et Allemagne. L'innovation et la communauté SkyVault résident dans les caractéristiques de conception, de structure de la voie, de système de contrôle automatique basé sur l'intelligence artificielle. L'ensemble de solutions ingénierie de la société permet de réduire le coût de la construction et l'exploitation du système de transport de plus d'un tiers par rapport à un monorail conventionnel, de moitié par rapport à un chemin de fer et 5 fois moins encore par rapport à une autoroute ordinaire. Cette technologie offre un grand potentiel. En fait, infrastructure de ville, on peut complètement transformer dans la structure urbaine droite. Le plus, ce système est très respectueux à l'environnement et permet de vivre dans les villes beaucoup plus propres que maintenant. Grâce à la résistance des fils d'acier conçus par l'ingénieur qualifié, il n'est question de mettre la vie des passagers en danger. Grâce à un système de contrôle intelligent spécialement conçu pour ces véhicules,
il n'y a jusqu'à présent aucun accident lors des essais de conduite. Les véhicules sont très flexibles, ils peuvent se déplacer librement en toutes circonstances. Ils sont très résistants à la chaleur, peuvent traverser les routes rocailleuses, on ne provoque jamais l'embouteillage. Tout cela parce que le véhicule se déplaçant aux surfaces glace et la direction automatique de l'éolien, des panneaux solaires sont utilisés pour produire l'énergie, le moteur électrique super efficace consommant une quantité minimale d'énergie qui permet de réaliser des économies importantes. L'avantage unique des systèmes de transport développés par Unisky String Technology permet l'utilisation intégrée des réalisations avancées dans le domaine de transport électrique à grande vitesse et respectueux de l'environnement. En plus d'avantages commerciaux, les solutions ingénierie multicouche de la société dans la région les concentrant sur les trois points objectifs industriels. Premièrement, ils permettent d'accroître le flux des marchandises et les passagers dans la ville existante, d'aller interférer avec l'infrastructure communautaire existante. Deuxièmement, il permet de rayer et d'optimiser le flux des marchandises entre les champs de production difficiles d'accès, les centres industriels, les plateformes de transport éloignées, comme aéroports, salles de logistique, etc., sans construire le terminal supplémentaire. Et troisièmement, la solution d'entreprise offre une liaison de transport écologique sans pollution avec un minimum de bruit pour les régions ayant exigences environnementales élevées ou un impact industriel sur l'environnement et l'interdit ou limité. Et maintenant, Mesdames et Messieurs, j'aimerais bien présenter le véhicule de Unisky String Technology. On commence avec le véhicule de grande vitesse U4362 qui permet de transporter des passagers à des vitesses ayant jusqu'à 500 km par heure sur des passagers super sûrs et treillis. Il est entraîné par un moteur électrique de traction alimenté par un circuit de contact par un dispositif stockage énergie embarqué. Il utilise dans le cadre du complexe de transport l'infrastructure pour assurer des liaisons et des transports sur un trajet interurbain et international. Ces cabines comportaient 6 sièges équipés d'un système de divertissement pour les passagers. Les carrosseries comportent un comportement séparant pour les bagages. Le véhicule des Unitrack U4131, le destiné au transport de la marchandise en frac, liquide dangereuse, périssable à la pièce. Il est entraîné par un moteur de traction alimenté par un circuit de contact de dispositif de stockage d'énergie embarqué. Le chargement de la déchargement de l'Unitrack peuvent effectuer en mode automatique. Il est utilisé dans le cadre de complexes de transport et infrastructures pour l'exploitation d'installations industrielles, dans le cadre des infrastructures de ports et des sites minières, ainsi que pour les routes urbaines et suburbaines. Le véhicule Unibus U4210 avec équipement standard utilisé dans le complexe de transport et infrastructure pour l'exploitation sur les routes urbaines et suburbaines. La capacité totale des véhicules est de 14 personnes à deux sièges. Il est propulsé par un moteur de traction alimenté par un circuit de contact d'un dispositif de stockage d'énergie embarqué. Un certain nombre de modifications ont été développées sur la base des véhicules. Une nacelle unique des capacités accrues avec une cabine augmentée, des véhicules composites basés sur un seul véhicule avec possibilité de constituer en train. Comme vous savez déjà, M. Anatoly Unitsky a concentré son attention sur le Moyen-Orient
parce que le rythme auquel le parc d'innovation de techniques progressives de Sharjah se développe, il est une révolution technologique et nous sommes devant un leader là-bas. Maintenant, je voudrais vous présenter rapidement notre modèle tropical, le développement Unitrack U431 a pris en compte les particularités climatiques de Moyen-Orient. L'opération a été réalisée. Cette nouveauté se distingue par un double système de climatisation de suspension hydraulique, un double système de refroidissement, un plus grand stockage d'énergie à bord, un système de refroidissement amélioré ainsi qu'une cabine de design VIP similaire à celui qui est Mercedes ou BMW par exemple. Grâce à la fiabilité et autres performances, large éventail d'options, ainsi que la simplicité et la faible consommation des matériaux de la structure des véhicules, les différents modèles de notre communauté peuvent devenir une solution universelle dans un certain nombre de problèmes de transport, tels que l'organisation de transport de marchandises et la passagerie dans les zones éloignées de régions aux conditions climatiques difficiles. La construction de la nouvelle route dans les Émirats arabes unis a un excellent exemple pour ça. Et maintenant, chers amis, laissez-moi parler brièvement les réalisations de notre entreprise dans les différentes parties du monde. Nous commençons avec Vietnam. Nous sommes heureux de vous annoncer que le membre du conseil d'administration de Skyway Technology, M. Vladimir Maslov et František Solar, sont revenus d'un voyage d'affaires au Vietnam. Ils ont rencontré des représentants de nombreuses entreprises vietnamiennes et discuté du développement des Unisky Strength Technology dans le pays. Les membres du conseil d'administration ont des, avec le représentant de la société ThinkPad qui envisage de construire une piste de 3 km jusqu'à la pagode qui s'appelle Loi Am. À la suite de la réunion, un accord a été signé pour créer une entreprise Vietnam Transnet Ltd. pour soutenir le développement de futurs projets au Vietnam et obtenir une autorisation pour les activités d'investissement dans le secteur des transports. Une fois la présentation de l'avant-projet terminée, le projet sera traversé à une Unisky Strength Technology pour travaux ultérieurs. Une réunion a lieu avec les partenaires qui ont créé le centre d'information qui fait partie de l'association vietnamienne de travailleurs créatifs. L'association travaille en étroite collaboration l'organisation scientifique qui s'appelle VUSTA avec le soutien d'un ministère de la science et la technologie. Cela signifie que le projet dispose désormais d'un canal officiel pour diffuser de l'information sur la technologie et la société Unisky Strength Technology. Les résultats et la collaboration ont déjà été au numéro d'avril du magazine VLCA. Chers partenaires, maintenant, je voulais vous présenter Madame Olga Veronica. C'est une membre actif du programme des partenariats Unisky Strength Technology. Elle a récemment fait un travail incroyable pour attirer l'attention pour le projet à la société Skyway en République dominicaine. Olga assistait à la mission matinale qui s'appelle Petit Déjeuner Musical sur la chaîne TVO La Romana, l'émission Les Mujeres d'Hoy, qui en français ça s'appelle La Femme d'aujourd'hui, sur la Delta Radio, où elle a expliqué que la Skyway, comment, c'est quoi la Skyway et comment il faut soutenir ce projet. En outre, notre représentant a pu rencontrer la maire de la province de la Romana, en président du Conseil national sur le changement climatique de la République dominicaine. Olga a discuté avec la politicien des perspectives d'introduction des transports de Skyway dans le pays. Olga Veronica a également organisé 3 présentations hors ligne du projet Skyway et de la société Saint-Dominique.
de la capacité de la République dominicaine, qui ont été visités par 90 personnes au total. Ces résultats sont largement obtenus grâce à la publication dans les médias, à l'apparition de la télévision et la rencontre avec les politiciens. Les renforcements des positions de notre communauté au Moyen-Orient est la principale tendance de cette année. La technologie a été officiellement présentée comme une potentielle pour la mise en œuvre de plans de développement d'infrastructures de Dubaï. Une série de projets proposés par la ministre de Transport et pays ayant été approuvés par le chef de région, M. Hussein Mohamed Al-Mahmoudi. Le projet comprenait un système de transport urbain d'une longueur totale de 15 km avec 21 stations qui peut être mise en œuvre grâce à notre technologie. Je voudrais souligner aussi que le Son Altesse, le Sheikh Sultan Ben Mohamed Al-Qassimi, est le membre des cours suprêmes fédérales des Émirats arabes, visitait le centre d'innovation et construction à Sharjah. Cet événement a été largement repris par les médias aux Émirats. Au cours de la réunion, une attention particulière a été accordée à la structure de voies, au ancrage, au support intermédiaire pour certains chargés. Il est supposé que pendant leur fonctionnement normal, ils ne peuvent pas être endommagés. Nous effectuons des tests réguliers de nos systèmes de transport, pas seulement à Ecotechnopark à Biélorussie, mais aussi en Sharjah. On fait ça régulièrement. C'est nécessaire pour déterminer les méthodes de conception élaborées, de solutions de conception et définies, les certains dispositifs dans le matériau, le roulant. Nous construirons ferroviaire et surface sol multifonctionnelle. Ça signifie qu'elles peuvent être utilisées dans les différents pays, dans les différentes conditions climatiques et de température ayant moins 50 jusqu'à plus 60. Nous pouvons passer à le deuxième niveau, auquel cas nous allons plus haut et surmontons donc les obstacles qui ressentent sur notre chemin. Si notre transport est léger, la priorité peut être donnée à la route qui descend. Souvent, Monsieur Oleg Zaretsky, déjà mois de mai, c'est le CEO de Unisky String Technology, les Émirats, a déclaré dans une interview à la radio locale que le prix de construction des réseaux est similaire et ou même moins cher que la construction de nouvelles routes, qu'elle nécessitera beaucoup moins d'entretien à long terme. Sur un site de développement du parc, une piste de 400 mètres est déjà en service, portant une capsule suspendue construite pour résister au climat extrême de Moyen-Orient. Donc, l'information est véridique de deux sources différentes, qui est Sharjah et la ville de Port, qui s'appelle Khor Fakkan. Dans les trois ans, la construction d'une piste de 130 km de long est prévue. C'est une solution d'économie-énergie avec le moteur électrique qui peut être partiellement alimenté par énergie solaire et éolien. Le blocage du canal de Suez a mis la lumière au problème. La fermeture du canal par lequel transitent environ 30% de trafic mondial et conteneurs de 12% de commerce mondial pendant une semaine entrant des pertes environ 10 milliards de dollars par jour. Il est évident que le simple projet l'élargissement du canal ne suffira pas. Aussi, l'opérateur du marché des logistiques il cherche déjà des alternatives de transport traditionnels par les bateaux via canal de Suez. Mais notre entreprise a été la première qui a proposé une telle solution de transport alternatif. Grâce à une solution aussi simple et innovante, le complexe de transport et marchandises UST parallèle au canal de Suez présente déjà des parts de caractéristiques plus avantageuses que le transport traditionnel. Ainsi, selon l'estimation préliminaire, le coût du système de transport électrique terrestre
de marchandises de Unique Keystone Technology construit de long du canal de Suez sur une longueur de 160 km sera 10 millions de dollars par kilomètre, bien entendu sans compter le matériel roulant et terminaux de chargement et déchargement, soit 5 fois moins cher que le coût du canal lui-même. Le complexe aurait capable de livrer de la marchandise à une vitesse moyenne de 400 km qui scelle 6 fois plus vite que celle qui est navire. Madame Nadezhda Kozyreva, vous pouvez vous voir sur la diapositive, et la directrice générale de UST déclarait que la situation du canal de Suez a mis en évidence la nécessité de diversifier la logistique, l'économie mondiale, et nous sommes heureux de contribuer son renforcement grâce à nos solutions et transports innovants. Notre technologie a été certifiée en protégée par le droit d'auteur dans les plus de 180 pays du monde entier. C'est une réussite phénoménale, mesdames et messieurs, et nous pouvons faire beaucoup pour améliorer la mobilité urbaine et l'accessibilité de transport. Prenons le Paris-Bruxelles comme exemple. Le trajet aller simple entre domicile et bureau peut prendre jusqu'à 2 heures avec l'embouteillage total qui est pour l'instant, mais avec l'aide du transport communautaire Skybolt, ce temps de trajet peut facilement être réduit par moitié. Pour le début de cette année, nous constatons une grande augmentation de la gamme de modèles. Les nouveaux unibus sont rassemblés sous la forme d'un train de 2 jusqu'à 10 cabines avec une capacité de 50 personnes maximum. Mesdames et messieurs, pour conclure notre webinaire d'aujourd'hui, je voudrais un peu résumer quelle est notre philosophie sur la situation globale. La communauté Skyworld offre une solution aux problèmes écologiques, en socio-économique, la solution problème de inefficacité de transport de notre époque. Il s'agit d'une solution globale pour le développement des zones, comprend des zones inaccessibles, telles que les montagnes, les jungles, le fond marine, le taïga, le désert, etc., qui s'apportent une solution de problème d'urgence de l'humanité en matière d'approvisionnement énergétique, l'expansion des systèmes de transport, de sécurité environnementale, de santé, ainsi que le développement des nouvelles zones de développement urbain durable. Cette année, mesdames et messieurs, certainement une année de transition pour notre entreprise. Si on regarde sur l'événement de l'année passée, la situation totale n'a pas été facile pour nous tous. Il y a de nombreux événements turbulents, tels que la transmission de coronavirus, les lockdowns et beaucoup plus. Mais malgré tout cela, le monde qu'il s'impose, nous sommes convaincus que notre technologie sera adoptée dans le monde entier dans un avenir proche. Il s'agit d'une solution de transport pour les générations futures. Si vous avez la question, veuillez vous référer aux ressources sur notre site officiel. Vous pouvez regarder ici sur la diapositive. Je vous souhaite de surmonter toutes les difficultés sur le chemin de la victoire. Nous comptons sur le succès et la prospérité des communautés Skyworld avec tous ces avantages pour notre planète. Je vous remercie du fond du cœur pour votre intérêt sincère pour la technologie de notre communauté. J'espère de vous voir bientôt. Au revoir et merci encore une fois.